Oh! C'est le premier poisson que j'attrape avec le nylon de 47 centièmes. Il commence à pleuvoir. Et le bateau amorceur a vraiment permis de pêcher un poisson. Donc le bateau amorceur, ça marche. Et là, je baptise mon moulinet 12 000. Et mon bateau amorceur et aussi mon nylon de 47 centièmes. J'espère simplement qu'il est bien piqué. Donc avec le 47 centièmes, ben, c'est vraiment pas une très bonne sensation parce que c'est très puissant et la carpe elle doit être pas très grosse, donc c'est vraiment elle vient vraiment vite la carpe. Ouais, c'est une petite carpe, elle vient vraiment vite. Elle vient vraiment vite parce que c'est comme de la tresse, hein. 28 kg en nylon. Ouais, c'est une petite carpe. Hein. Elle n'est pas très grosse. Hein. Elle n'est pas très grosse, mais bon, ça fait plaisir. Oula, j'ai un double départ. Vous voyez, j'ai un double départ là-bas. L'autre aussi, elle sonne. Double départ. Double départ à ménétréole. Voilà. Donc je vais me dépêcher de la sortir celle-là. Et je vais aller sur l'autre. Alors, c'était... Dès qu'il pleut, il y a double départ. Bon, c'est qu'une bouillie de fraises, donc ça attire que des petites carpes. Bouillie de fraises. Voilà. Double départ. Double départ. Allez, rentre dans le bercail, toi. Tu veux pas rentrer dans le bercail? Rentre dans le bercail, sinon l'autre carpe va s'échapper. Voilà, celle-là elle est au chaud. Celle-là elle est vraiment au chaud. Celle-là elle est au chaud. Au sec, je veux dire. Voilà, je vais la poser ici. Déposer le frein. Elle est toujours là-bas. Hein. L'autre elle est toujours là-bas. Bon, j'ai peur qu'elle s'enfuit quand même. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait l'autre parce que elle doit être toujours là. Donc allez, je vais combattre celle-là. Voilà. Comme j'avais lancé pas très loin. Ouais, elle est toujours là. Elle s'est auto-ferrée. Elle s'est auto-ferrée, donc très bon. Elle est toujours là. Comment je vais faire avec... C'est la même chose qui m'est arrivée en 2021. Sous la pluie, j'ai eu deux carpes. Et là, j'ai eu encore deux carpes sous la pluie. Dès qu'il commence à pleuvoir... Ouais, ben c'était exactement dans le même créneau, hein, dans les 19h. Celle-là, elle est encore plus petite que l'autre. Parce que là, le nylon de 47 centièmes en 28 kg, c'est comme si vous aviez une tresse de 50 centièmes. Hein. Vous ramenez facilement les poissons. Hein. Vous ramenez vraiment très très vite les poissons. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais essayer de prendre les deux. Je vais essayer de prendre les deux en même temps. Oh, je suis content aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content parce que je baptise mon bateau amorceur et en même temps, j'ai deux carpes alors que je teste mon moulinet. Ah, ben elle est vraiment petite celle-là. Elle fait 1 kg. C'est pour ça qu'elle vient vraiment vite. Bon, ben c'est que des petites carpes, hein. Mais franchement, j'ai amorcé que du maïs dur et, cuit, que j'avais cuit, et aussi une bouillette fraise, 20 mm. Donc, faut pas s'attendre à des très grosses. Mais en tout cas, ça marche. Voilà. Ça fait plaisir
d'attraper des carpes. Ouais. Bon, ben celle-là, je vais la relâcher directement. Après, je m'occuperai de l'autre. Une petite carpe de 1 kg. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée juste pour tester le bateau amorceur. Hein. Donc, allez, toi, tu vas directement dans l'épuisette. Comment je vais me démerder? Allez, voilà. Allez. Le deux en même temps. Voilà. Exploit. Deux carpes en même temps. Ouh, c'est du jamais vu. Deux petites carpes en même temps dans l'épuisette. Voilà. Ah, elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée, elle. À force de remuer, elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée toute seule. Et celle-là, elle va se décrocher toute seule aussi. Celle-là, elle était piquée en bas. Donc, oh, ah merde, j'ai failli me piquer, c'est pas pratique ça. Bon, je vais quand même mouiller mon tapis de réception. Voilà. J'étais en train de fabriquer des bas de ligne, et puis ça a sonné. Voilà. Allez, on va le faire ici, comme ça c'est beaucoup plus simple. Ouais, on fait quand même 2 kg. Hein. 2 kg et demi. Bon, est-ce que t'es piqué toi? T'es piqué où toi? Ah. Ouais, mais tu m'éclabousses toi. Tu sais que j'ai pas pris beaucoup de carpes récemment, hein. J'ai fait beaucoup de capots. Alors tais-toi un peu. Oula, mais toi t'es passé à travers toi. Toi t'es passé à travers la carpe là. À force de bouger, ben l'hameçon il est passé à travers. Donc ne compte pas sur moi pour faire de la chirurgie, tu comprends? Voilà. Ah non, l'autre, elle était toujours. Son hameçon était toujours là. L'hameçon n'était pas l'hameçon n'était pas sorti, mais c'est le plomb qui a sorti. Voilà. Ouais, mais c'est pas facile de. Quand on n'a pas une GoPro, c'est pas facile de. C'est pas facile de faire ça tout seul. Ouais, ben. C'est dans les 2 kg, hein, qu'est-ce que t'en penses hein? 2, 3, 2 kg et demi. 2 kg et demi. 1, 2, 1, 2. Ouais. Une qui fait 55 et une qui fait à peu près 50. Là, il y a à peu près 5 kg de poisson. 5 kg de poisson. Allez, on retourne à l'eau. On retourne à l'eau. Voilà. Kenny, j'ai attrapé deux carpes avec tes deux cannes Xtreme 9-300. J'ai baptisé les deux moulinets 12 000 et j'ai baptisé le nylon camouflage de 47 centièmes en 28 kg. Et j'ai baptisé le bateau amorceur. Voilà, superbe journée. Pour 2 heures de pêche. Voilà, même pas 2 heures de pêche, 2 poissons. Voilà, allez-vous-en. Allez, bye.